Alors c'est monde, c'est Swan. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo gaming. Et aujourd'hui on va encore jouer à Roblox. C'est un hobby super facile mais ultra long. Bon, alors c'est censé être un hobby super facile, enfin un hobby classique, mais qui a 600 étapes. Je pense pas qu'on va le finir dans cette vidéo, mais qu'on va au moins genre aller au 100e stage. Ouais, c'est ultra simple en fait ça. Alors là, c'est toutes les épreuves basiques, hein, vraiment basiques. Hein. Ça par contre, je sais pas comment je fais. Hein. Non mais mec, tu les as fait trop étroits là, ces plateformes. On monte les échelles. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bobine de gravité, mais on s'en fiche. Attends, hop, les croix. Quoi? C'est dur! C'est très très dur! Oh là là! Non. Ah non, pas barre rebondissante. Je crois que c'est des barres rebondissantes. Et là, vous me dites, mais on voit pas tous les stages, en quoi c'est long? Voilà! Il y a énormément de stages. En fait, à la fin, ça devient un peu ennuyeux parce que les épreuves, normalement dans les hobbies classiques comme celui-là, sont toujours les mêmes, mais de différentes couleurs. Ah, je crois qu'il fallait esquiver un noob. Donc on s'est juste d'acheter tapis volant. Ouais, je sais, c'est marrant, mais j'ai pas envie. Ok. Oh, hé, d'où je suis mort? Attends, mais où on monte? Par des téléportations? Parce que, ah ouais, c'est vrai, où on monte? Alors pour l'instant, on dirait qu'on est en train de former une spirale, qu'on est en train d'en traverser une. Oh, il va y avoir des pizzas. Des pizzas. Et fais attention à ne pas écraser. Mais tu as écrasé. T'aurais dû sauter dans le vide. Hop, hop, hop. C'était hyper dur. Mais où est la difficulté? Où est-elle? Je la cherche. Après, vous allez voir, on va avoir un truc hyper dur. C'est bien fait pour moi. Hop, hop, trop simple. Je pense qu'il y aura genre un téléporteur pour monter. Franchement, mais qui voit de la difficulté là-dedans? Regardez, il y a des portails. Étage 2. Ouais, on va aller à l'étage 2. On peut revenir? Non, on peut pas revenir. Ah! Il fallait éviter les barres. Je croyais qu'il fallait sauter dessus. Mais regardez, c'est la même chose qu'en bas. En quoi c'est dur? Tu veux juste avancer? Et là, je dis oui. Ah, quoi? Quoi? Non, c'est juste ça? Mais c'est ultra simple! Moi, je crois qu'il fallait choisir le bon. C'est un peu plus difficile. Mais... ah, voilà! Des trucs de hasard. Ok, donc gars. Donc bleu, rose, rose et bleu. Hop là. Maintenant, les petites croix vertes. Hop et hop. Certains qu'on aurait pu faire une compétition si quand tu étais là. Parce que franchement, elle aurait été bien longue. Hein. Ah, on est bientôt à 100 stages. À cette meilleure, on va s'arrêter à 200 stages. Hop. Ça, c'est un peu plus dur. Hop, hop. Oh, c'est bon, j'ai réussi. Mais c'est ultra méga simple. Où est la difficulté? Oh, j'ai 66 gemmes. Animaux de compagnie, boutique. Alors ouais, ça coûte ultra méga cher, mais attends. Je possède un ours maléfique, moi? Waouh. Ah ouais. Alors, il est pas maléfique du tout, mais il est cool. Ah. Ça commence. C'était ultra simple, mais ça, c'était ce que je déteste. Le retour des murs, mais en trois fois plus facile. Tep, 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 tep. Alors, je pense pas que les animaux de compagnie peuvent nous donner des boosts, mais c'est quand même bien stylé de les avoir. Ah! Et là, je dis oui. Et là, c'est dur. Tout le monde déteste. Ça dure que 2 secondes, mais ça, tout le monde déteste. Après, c'est que du jump hyper simple qu'on enchaîne. Regardez, j'ai enchaîné, là. C'est ultra méga simple. Je me mange des karma à chaque fois. On va bientôt arriver à 100 stages. Plus que 2 stages et je suis à 100. Allez, on passe à l'étage 3. Et on est à 100 stages. Yeah! Oh, mais je n'avais pas remarqué, mais on est déjà haut. Hein. Bon, là, comme vous voyez, ça se répète, hein, parce qu'on est déjà assez loin. Tant d'étages. Ah, je vois le portail tout là-bas. Oh, ça va. Très original. En vrai, on va pas s'arrêter là parce que c'était hyper rapide. Regardez, on va déjà bientôt aller à l'autre étage. On est à 120 stages. C'est énorme. Ah, c'est le portail de lequel on était parti. Ah, ça, c'est plutôt original. Hein.
Ça, c'est plutôt original. En fait, on était parti dans une spirale. Je croyais qu'on était bientôt arrivé, mais non. Encore du jump. En tout cas, il y a des flèches pour les checkpoints. Du coup, ça nous indique chaque flèche jusqu'au portail. Ah, c'est bon, on y est. Oh, c'était rapide. À part si on est noob comme moi. Regardez, on y est. Et c'est bon. Étage 4. Oh, il manque encore 2 étages, je crois. En vrai, ça va. J'ai hâte d'aller au dernier étage. On est hyper haut, là. Alors, je me demande qui a organisé ça, mais en tout cas, il a dû y avoir passé plusieurs jours. Hein. J'ai essayé de créer une map sur Roblox. C'était dur. Ok. La chance. Ne me souris pas. Allez, on y va. Ah, ça, déjà, c'est plus dur. Et plus rageant aussi. Attends, c'est par là, le portail. Ah non, c'est par là. On va devoir encore faire tout un tour. Ça va pas être si long, en fait. Plus qu'un étage et on aura terminé. Franchement, et là, on finit au bien. Alors, c'est bizarre parce que nous, on n'est même pas à 200 stages. Et on voit qu'en fait... Il y a la voiture ! Go, go ! Yeah, yeah, yeah ! Cool ! Alors, du coup, là, c'est bon. J'étais en vision. Tu m'avais pas prévenu que tu finirais aussi vite. Depuis le début, je Bah, je l'ai pas marqué, désolé. Alors, si vous l'aviez vu, bombardez dans les commentaires, ok? Mais soit t'es aveugle ou pas. Bon, en tout cas, t'as allé super vite, mec. Hein. Ce hobby, hein, comme tu peux voir, il est ultra simple, t'as vu? Tu trouves stylé, moi, mon ours? C'est marqué ours maléfique. C'est ultra bizarre parce que là, il reste plus qu'un étage, genre. Et on est qu'à 32%. Ce qui est hyper bizarre. On va bientôt être à 200 stages. Comme tu peux voir, on a fait le gros du parcours. Hein. Mais en fait, on n'a pas du tout fini, hein. Il reste encore plein d'étages. Ouais, il reste encore plein d'étages. J'ai l'impression qu'on les voyait pas avant. Ça, par contre, c'est ultra simple. Personne meurt ici. On est à 200 stages, mec. Je vais bientôt te montrer comment avoir un nouveau pet. Mais bon, pour ça, faut avoir plus de gemmes. Ce truc, je pense que c'est le plus long hobby qu'on a jamais fait. En fait, moi, ce que je déteste, c'est les hobbies classiques qui sont ultra courts. C'est méga nul, il n'y a pas d'intérêt. Pff, bah ouais, regarde, on est très haut, hein. On peut s'acheter un pet. 250 gemmes. Et alors, attends, je prends Kay. On peut en mettre qu'un? Ça, c'est dommage. Tout ce qu'on a déjà parcouru. Regardez, les gars. Oh, j'ai l'impression d'être avec des Lego. Dans une construction Lego. Regarde. Tu vois, il nous manque encore 2 étages. Plus on monte, plus les étages apparaissent. On n'est même pas à moitié du hobby. Est-ce que vous vous rendez compte? Oh, ça, par contre, c'est dur, mec. Hein. Mec, je sais combien il y a de stages. 600. Alors du coup, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Alors moi, franchement, là, avec Gauthier, c'était superbe. Mais c'était long. Et on n'a même pas fini. Oh, alors la prochaine fois, je vais refaire des parcours comme ça. Mais cette fois-ci, beaucoup moins long. Et sur ce, à la prochaine.